Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 10 jeux à posséder sur PlayStation 4. Alors, il y a beaucoup de monde sur la chaîne qui m'a dit « Ryu, c'est bien, tu fais des tests, des unboxings, on a l'actu, on a des lives, on aimerait bien voir encore des vidéos sur la collection. » J'ai fait un petit sondage et apparemment l'idée vous a plu de présenter 10 jeux à posséder sur une machine. On verra ce qu'on fera plus tard, mais ces vidéos seront orientées sur la collection. Alors, 10 jeux à posséder sur PlayStation 4. J'ai choisi pour cette première vidéo 10 jeux qui sont pas vraiment connus du très grand public. Ce sont pas les gros mastodontes sur PlayStation 4. Là, il y aura une autre vidéo qui sera prévue pour ces jeux-là. Ici, j'ai plutôt choisi des jeux que vous ne connaîtriez peut-être pas et je vous conseille vraiment d'y jouer. C'est des jeux que vous devez posséder, qui ne coûtent pas cher et que vous devez avoir dans votre collection. Ils sont tous plus ou moins une vingtaine d'euros, même certains à 10 euros, vous allez trouver d'occasion. Donc c'est de quoi vous amuser à pas cher sur PS4. Et on démarre tout de suite avec ce Sleeping Dogs. Voilà qui est sorti au tout début de la PS4. Parce que c'est une Definitive Edition, comme vous pouvez le voir, une Definitive Edition qui va reprendre le jeu sur Xbox 360 et PS3 avec des graphismes un peu améliorés et tout le contenu des DLC du jeu. Donc c'était le début des remasters, etc., ce que vous voulez. Donc on a cette Definitive Edition qui est dans un format fourreau comme ceci. Là-dedans, vous avez un artbook avec des petits codes, etc. Et dans l'artbook, vous avez le Blu-ray du Sleeping Dogs. Et franchement, alors pourquoi j'ai choisi ce jeu? Parce que c'est une pièce vraiment sympa à pas cher pour la collection. Et deux, parce que le jeu est vraiment très bon. Si vous aimez les GTA-like, mais vous voulez un gameplay plus profond qu'un GTA-like, je vous conseille vraiment ce Sleeping Dogs parce que vous allez jouer Wei Chen, qui est un flic qui va s'infiltrer dans les triades et vous allez pouvoir utiliser les arts martiaux dans ce jeu. Donc le combat au corps à corps est vraiment très profond. Ce n'est pas que de la fusillade comme dans un simple GTA. Il y a les conduites des véhicules qui sont vraiment bien. La ville est vraiment super bien modélisée. Il y a beaucoup de customisation pour le personnage. Il y a une grosse évolution. On apprend des nouveaux coups, etc. L'histoire est vraiment ultra prenante avec des personnages attachants. Vous en avez vraiment pour un paquet d'heures si vous voulez vraiment faire toute la map. Il y a vraiment de quoi passer un moment vraiment agréable pour, je vous le dis, pas cher. Avec ce Sleeping Dogs Definitive Edition, c'est mon premier choix, un jeu que vous devez absolument posséder. Alors ça nous change des 5 jeux peu communs, parce que ces jeux là vous allez les trouver fastoche si vous regardez sur le net ou si vous checkez dans vos magasins d'occasion, vous allez trouver ça. Ensuite, beaucoup plus récent, on a Dusk Diver qui est sorti dans cette Day One Edition. Vous savez, je vous l'ai souvent dit, sur PS4, on a beaucoup ce format Day One Edition avec une version fourreau avec chaque fois un artbook et la galette de base à l'intérieur. Alors ce jeu est sorti en 2019. Ça a la particularité d'être un beat'em all, malgré ce qu'on pourrait croire. C'est un beat'em all avec une grosse note de RPG tout de même. Alors la grosse nouveauté dans ce beat'em all là, c'est qu'on va pouvoir passer d'une dimension à l'autre, le royaume des morts au royaume des ténèbres. Et on va devoir récolter des gardiens qui vont nous aider pendant les combats que l'on pourra invoquer. On aura des espèces de quêtes annexes côté ville. Vous savez, comme on fait beaucoup dans les jeux japonais, dans les RPG japonais, on a un jeu en deux teintes, en côté ville pour balancer dialogue et augmenter et avancer dans le scénario, et vous avez côté donjon où vous allez vraiment goûter au côté beat'em all du jeu. Alors il est vraiment super fun, coloré.
L'édition est vraiment super cool. Pareil, vous allez la trouver vraiment pour pas cher, une vingtaine d'euros, il devrait être dans votre collection. Voilà, vraiment un jeu à posséder pour sa PlayStation 4. On poursuit avec Judgment qui est fait par le studio Ryoga Tōgō, qui sont les créateurs de Yakuza. Alors pourquoi je vous présente le Judgment? Donc c'est un jeu que j'avais fait en test il y a quelques temps, parce que c'est le seul jeu entre guillemets de la licence Yakuza. C'est pas vraiment un jeu Yakuza, mais c'est dans l'univers de Yakuza. Qui est complètement traduit en français, donc vous avez les sous-titres en français et ça change quand même l'expérience de jeu, hein. Ce jeu doit vraiment faire partie de votre ludothèque en espérant que Yakuza 7 soit lui aussi sous-titré. Nous verrons ça plus tard. Alors le Judgment, on va gérer donc notre ami l'ex-avocat Yagami qui dû à un mauvais jugement. Il va vouloir traquer un meurtrier. Donc, il va devenir un petit peu détective privé. Alors, ce qui change des Yakuza, c'est qu'on a des scènes de crime analysées, etc. Sinon, pour le reste, niveau gameplay, combat, etc., on est complètement dans un Yakuza. Visuellement, c'est le même moteur que Yakuza 6. Voilà, on a un style de combat différent. On a un côté noir qui est vraiment super cool. Voilà, donc si vous voulez goûter au Yakuza, ben, entre guillemets à la série Yakuza, parce que c'est les mêmes producteurs, mais en français, je vous conseille vraiment ce Judgment, voilà, qui reste trouvable à pas cher à l'heure actuelle. On poursuit avec Snow Runner. Voilà, Snow Runner qui est une simulation de camion. Alors, je ne sais pas si vous avez connu le mode runner American Wilds qui était sorti également sur la PlayStation 4. Snow Runner va encore plus loin parce que visuellement, le jeu est plus beau que l'épisode précédent. La conduite est toujours aussi pointue. Donc, le but de Snow Runner, c'est de amener une cargaison avec un certain véhicule d'un point A à un point B. Vous avez des missions qui se débloquent, des véhicules qui se débloquent en fonction de vos avancées. C'est vraiment de la simulation de transport. Donc c'est quand même assez original. C'est un jeu qui est assez calme. Vous avez la possibilité de jouer à plusieurs également sur le réseau avec cet opus. On a plus de 40 véhicules. On a cette édition premium avec le saison pass à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées au fur et à mesure dans le jeu. Voilà, franchement, le SnowRunner, il est sorti très récemment, hein, et il doit faire partie de votre ludothèque PS4 si vous voulez jouer à quelque chose d'un peu différent. Voilà le SnowRunner, qui est, je pense, quand même une pièce à posséder pour sa collection. Vous voyez, ce sont des jeux qui ne sont pas les gros mastodontes AAA. Ce sont des jeux qui sortent un petit peu discrètement, mais que vous devez vraiment avoir dans votre collection PS4. Alors celui-ci, il est sorti déjà il y a un petit temps, c'est le Sonic Mania Plus. Celui-ci, on en a un peu plus parlé. Alors Sonic Mania Plus, c'est l'hommage pour la saga Sonic, mais plutôt de l'ère Mega Drive. Donc on a vraiment un hommage qui est fait. On a 5 personnages jouables dans cette version Plus. Cette version Plus abrite un petit artbook sympa et un fourreau sympa. Vous avez la possibilité de jouer aux stages que vous connaissez avec des nouveaux stages. Il y a tous les stages bonus de tous les Sonic qui sont présents. On a des thèmes que l'on connaît, des thèmes remasterisés. On peut jouer jusqu'à 4 en coop. Il est vraiment super speed, il est super beau. C'est pour moi à l'heure actuelle le meilleur jeu Sonic toute génération confondue. On peut vraiment, il n'y a vraiment rien à dire sur ce jeu. Et de plus, c'est une pièce que vous allez trouver sur tout support à une vingtaine d'euros assez facilement. Voilà, à posséder vraiment si vous avez une PS4 et même une autre machine qui peut le faire tourner. Hein. Je pense à la Xbox One et à la Switch, vous avez également la même version. Et voilà, Sonic Mania Plus, vraiment
le jeu à posséder absolument. Préférez plutôt cette version-là que la version des maths ou la version collector, qui n'est même pas la version plus avec le compte téléchargement. Celle-ci, vous la trouverez vraiment à 20 € et c'est celle-là que vous devez posséder. Ensuite, énorme jeu, c'est The Walking Dead de Telltale Definitive Series. Alors, cette version comporte les 4 épisodes de Walking Dead de chez Telltale, plus tous les DLC qui sont sortis, plus les 4 saisons, les 400 days et le Walking Dead Mission. On a une amélioration des graphismes et du gameplay pour les tout premiers opus, donc il y a une refonte visuelle dans cette version définitive. On a des fonctions bonus avec les commentaires développeurs, des visuels des développeurs qui ont été rajoutés. Alors c'est la version Ultimate de The Walking Dead Telltale. Alors sachant que depuis Telltale malheureusement a coulé et ce jeu a été édité par Skybound. Donc voilà, ils ont ramené un petit peu cette version définitive, qui est vraiment le full si vous voulez vous faire la saga Walking Dead. Alors c'est vraiment exceptionnel, vous allez suivre toute l'épopée de Clementine dans l'univers de The Walking Dead. Donc on va voir la vie d'autres survivants que l'on connaît, soit dans le comics ou dans la série, et avec des moments très forts. Donc c'est un jeu Telltale, c'est un jeu narratif à choix avec de lourdes conséquences, et la sauvegarde que vous allez créer dans le premier épisode continuera jusqu'à la fin de la saison complète, ce qui est quand même assez exceptionnel. Voilà, un must-have vraiment à posséder sur votre PlayStation 4. Ensuite, on poursuit avec Song of Memories. Alors là, franchement, si vous devez posséder un visual novel, c'est bien celui-là que vous devez posséder. Un, parce qu'il est complètement traduit en français. À ma connaissance, c'est peut-être le seul visual novel qui est traduit en français sur PlayStation 4. Deux, il est quand même plutôt sexy et ce n'est pas pour nous déplaire, soyez honnêtes. Alors c'est une histoire d'amour qui vous est contée évidemment avec plusieurs jeunes filles et que vous devez mener à bien, alors qu'il y a une fin du monde qui arrive. On doit trouver son amour avant la fin des temps. Alors on a des petits combats quand même, mais toujours avec des menus contextuels, etc. Donc il n'y a pas vraiment de gameplay, hein. Donc c'est du visual novel, vous connaissez. C'est plus une histoire qui se déroule devant vous avec tous vos choix, vos actions qui vont déterminer l'issue du jeu. Et franchement, il est super propre visuellement. On a vraiment un très beau artwork. L'histoire est quand même vraiment très sympa. Il y a beaucoup d'humour. Voilà, franchement, Song of Memories, si vous devez prendre un seul visual novel sur la PS4, c'est celui-là qu'il vous faut. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux, et le fait qu'il soit traduit en français est vraiment un énorme plus à posséder dans votre collection PS4. Alors lui, par contre, c'est peut-être l'exception par rapport à la liste. Je pense qu'il faut plus trop traîner pour se le procurer, parce qu'il risque de devenir assez peu commun plus le temps va passer. Je pense que vous pouvez vous le procurer pour une trentaine d'euros maintenant, mais ne traînez plus à vous choper celui-là. Alors nous sommes déjà au huitième jeu avec ce Saint Seiya Soldier Soul. Alors Saint Seiya Soldier Soul, c'est le seul jeu Saint Seiya de cette génération PS4. Alors, il n'est pas exempt de tout défaut. Je ne vais pas vous dire que le jeu est extraordinaire. Ce n'est pas le cas. C'est un jeu, on va dire, à la 6 sur 10, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un jeu fun, mais qui comporte pas mal de défauts. Sa grosse puissance, c'est son roster, qui est tout à fait extraordinaire, avec vraiment beaucoup de personnages, voire quasiment tous les personnages de la saga Saint Seiya. Pour la première fois, on a droit à tous les personnages de la saga Asgard qui sont présents ici. C'est la première fois dans un jeu vidéo que l'on voit ça. Il est sous licence officielle, donc on a les génériques du jeu, on a toutes les vraies digits lorsque les personnages balancent
leur super, on a les vrais DJ de l'animé. C'est visuellement pas mal, donc les armures sont très bien retranscrites. C'est un jeu de combat à arène, hein, en arène, où le gameplay est assez simple. Le mode histoire reprend l'histoire de la saga de Senseiya au complet. Donc vous allez revivre évidemment le sanctuaire, la saga Odin, la saga Asgard, la saga Hadès. Il y a même la partie Soul of Gods qui est présent avec les armures Gods des Chevaliers d'Or. Donc voilà, il y a vraiment tout dans ce Senseiya Soldier Soul. Vous devriez le trouver, je pense, assez aisément encore. Mais si vous êtes fan des Chevaliers du Zodiaque, franchement, c'est vraiment un jeu à posséder sur la PS4. Je vous l'ai dit, il n'est pas exempt de tout défaut. C'est pas le jeu de versus ultime, mais il est quand même très fun à faire vraiment. Je pense que vous allez le trouver à pas cher. À faire vraiment, franchement, sur votre PC, PlayStation 4, à posséder. Parce que des jeux Senseiya, au final, on n'en a pas eu beaucoup. Et chaque fois qu'on en a eu, on a été assez déçu. Ceux de la génération PS3 étaient quand même très moyens. Celui-ci est quand même largement au-dessus de ce qu'on a eu sur PlayStation 3. Enfin, je vous conseille vraiment, ne fût-ce que pour son contenu, son roster et son mode histoire qui est vraiment très long et très très complet. Alors on continue avec les animés, avec les mangas, je vous ai calé un petit mousseau avec Berserk et la bande du Faucon. Alors vous savez que Berserk, je suis gros gros fan, donc on a ce mousseau qui est vraiment extraordinaire, très très sanglant. Pour moi, il fait partie des plus beaux mousseaux de la PS4. Visuellement, il est quand même très très propre. Alors, comme je vous l'ai dit, il est très très sanglant, dû à la série qui elle-même est ultra gore. On va jouer les personnages principaux de la saga. De souvenance, il y a une dizaine de persos à jouer, mais ils sont tous très différents, très complets. On a pas mal de formes à débloquer. Voilà, on sait que Kentaro Miura, donc le créateur de la licence, c'est un gars qui prend son temps pour écrire et ça fait, je pense, un certain temps qu'il n'y a plus de volume de Berserk qui sont sortis, donc la saga est toujours en cours. Mais voilà, moi je les avais tous de l'époque, je me suis ensuite lancé sur les animés qui sont vraiment très cool aussi. On a toute l'histoire du manga qui est représentée dans ce jeu. Du début, il y a bien évidemment où on voit Guts jeune jusqu'après la fin de l'acte 3, il me semble, de l'animé. Voilà, avec vraiment beaucoup d'action, de belles animations. On a 2 heures de séquences animées dans le jeu, donc de vraies séquences animées, donc c'est quand même très cool. Et on va pouvoir retrouver tous les démons, les apôtres qu'on a découpés dans le manga, dans l'animé, dans ce jeu, vraiment à posséder sur votre PlayStation 4. Et pareil, celui-ci doit être encore trouvable si vous fouillez bien, mais j'ai l'impression qu'il va commencer à se rarifier. Il est passé au solde, il me semble, il y a 2 ans, ou plus ou moins 2 ans. Et depuis, on l'a plus revu. Donc voilà, ce Berserk, vraiment un jeu à posséder pour votre collection PS4. Et on termine avec, selon moi, un des meilleurs jeux de ces dernières années, qui est pourtant très peu connu du grand public, que vous devez vraiment posséder dans votre collection, que vous soyez fan de RPG ou pas, tellement il est unique. Il s'agit de Darkest Dungeon, qui est tout simplement le jeu le plus difficile de la machine, mais il est tellement extraordinaire ce jeu. Vous allez devoir recruter des espèces de malfrats, des anti-héros, des mercenaires, etc. De souvenance, il y a plus d'une dizaine de classes différentes. Donc cette version Ancestral Edition reprend pas mal de DLC qui sont sortis dans la version PC, n'intègre pas le dernier DLC qui est sorti. Peut-être qu'il y aura une nouvelle édition sur PS5, on verra. Et ce RPG, très très difficile, a pour subtilité d'infliger une mort irréversible sur votre personnage lorsqu'il décède. C'est là qu'est tout le sel du jeu.
Et donc on a vraiment une notion de stress chaque fois qu'on parcourt chaque donjon. On peut tomber dans des pièges, on peut ramasser des maladies, les personnages peuvent avoir peur. Il y a vraiment plein de trucs qui peuvent vous tomber dessus sans. Vous avez l'impression que tout va bien et puis tout d'un coup, il vous arrive un petit malheur et les malheurs s'enchaînent. Vous ne pouvez pas sortir du donjon, vous perdez vos personnages et vous devez recommencer avec une nouvelle classe, la remonter. Les combats de boss sont vraiment super prenants. On a un narrateur qui est vraiment très très bon dans le jeu, qui donne une ambiance folle. Visuellement, c'est très beau, les musiques sont magnifiques. Un jeu vraiment parfait que vous devez vraiment jouer sur PlayStation 4. Il est également sur Nintendo Switch. Il est en Signature Edition si vous le voulez également dans une version un peu plus collector pour votre collection. Vous allez pouvoir le trouver un petit peu sur tous les modèles. Mais voilà, sur PlayStation 4, franchement, c'est un must-have, un jeu que vous devez vraiment absolument jouer et vous m'en direz des nouvelles. De toute façon, pour faire simple, les 10 jeux que je vous ai cités ici sont vraiment tous 10 bons jeux que vous devez posséder dans votre collecte. Voilà, moi c'est 10 jeux que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et c'est le but de cette vidéo de vous présenter 10 jeux que vous devez vraiment posséder. Dans le prochain opus, je pense qu'on reparlera de la PlayStation 4 et là on s'attaquera vraiment au blockbuster de la PlayStation 4 pour un public un peu plus large et essayer de nous remémorer toutes les grandes sorties de cette machine. On sait qu'on arrive dans les 6 derniers mois, on va dire, de cette génération. La PlayStation 4 va continuer jusqu'à fin 2021, je pense. Mais bon, tous nos visages seront tournés fin 2020 vers la PS5 et c'est le moment, je pense, dans ces 6 derniers mois, vu qu'on n'a plus de gros AAA qui vont sortir maintenant, eh bien, de vous lancer dans ces découvertes de jeux un peu moins connus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Restez bien sur la chaîne parce que d'autres vidéos comme ça viendront. On continuera les tests, les unboxings et tout le reste. Merci à tous. On s'approche des 10 000 abonnés. Merci pour votre soutien. Comme d'habitude, faites chauffer les consoles. À plus.